voyez présentement, là, c'est exactement ce que j'étais en train de faire quand j'ai eu l'idée de faire un 3-4 fois. Vous voyez le principe? Même principe que le rouleau de papier toilette. Fait que je crois que c'est une maudite bonne idée. Et puis, déjà, j'ai décidé de ne pas la flusher. Fait que si vous voulez rester avec moi, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire par là. Bonjour, mon nom est Gaston Hull, président de la compagnie Dr. Syrup. J'aimerais vous montrer ici aujourd'hui un tout nouveau carquois. Je considère ce nouveau carquois comme la réinvention du carquois. Le nom de ce nouveau carquois est Arrowlock, ce qui signifie en français cadenas à flèche. C'est fini la perte de flèches dans les bois. Ce tout nouveau carquois est disponible en 3 ou 5 flèches et aussi disponible soit pour l'arc ou l'arbalète. Vous avez aussi la possibilité de transporter votre carquois Arrowlock à la ceinture car j'ai aussi conçu ce kit qui sert expressément à ça. Je vais revenir avec plus de détails concernant ce kit. Ce carquois est complètement ajustable. Et pour la première fois dans l'histoire du carquois, vous avez la possibilité d'installer votre carquois sur le côté opposé de votre support de mine quand vous utilisez un arc. En installant votre carquois du côté opposé, vous obtenez un équilibre parfait de votre arc lors du tir. En ce qui concerne les couleurs, pour l'instant, seulement le noir est disponible, mais d'autres couleurs vont être disponibles dans le futur. Dans les prochaines vidéos, vous verrez le carquois Arrowlock et le kit Zero Tilt. C'est le kit qu'on utilise pour mettre le carquois du côté gauche. Vous allez voir ça en action. Maintenant, regardez bien les prochaines vidéos pour en apprendre plus sur le tout nouveau carquois Arrowlock. Merci. Restez avec moi. Le carquois Arrowlock est différent de tous les autres carquois sur le marché car il retient vos flèches par les deux extrémités. Ça signifie qu'il n'y a plus aucun support de caoutchouc au centre pour retenir vos flèches en place. Ce concept fait en sorte que vous avez l'option d'utiliser des flèches de n'importe quel diamètre sans aucun souci. Le temps est venu d'arrêter de se battre pour essayer de rentrer les flèches dans ces bidules de caoutchouc. Je vais vous montrer l'intérieur du carquois. J'enlève le couvercle du capot. Vous voyez ici, nous avons un piston à ressort avec un embout en caoutchouc. Cet embout est conçu pour recevoir les pointes de chasse rétractables ainsi que les pointes fixes jusqu'à 1 pouce et demi de diamètre et bien sûr les pointes de pratique. Pour retirer une flèche, il suffit simplement de la pousser vers le capot puis de sortir l'encoche de votre flèche du réceptacle de caoutchouc ici en bas. Il faut exercer très peu de pression pour retenir la flèche et la maintenir en place. Vous voyez ici le petit ressort de stainless que j'utilise pour ce concept. C'est simple, mais ça fonctionne comme ce bâton de papier de toilette. C'est infaillible. Le carquois Arrowlock est le carquois le plus ajustable sur le marché. La version arbalète peut contenir des flèches de 16 à 24 pouces, tandis que la version pour arc peut contenir des flèches de 26 à 34 pouces. Vous voyez ici un carquois Arrowlock monté sur un arc. Comme vous voyez, il est très facile d'ajuster la tâche pour faire en sorte que le carquois ne dépasse pas le bas de l'arc.
Pour l'ajuster, c'est très simple. Je vais vous montrer. Il suffit de dévisser ces quatre vis et de faire glisser la tâche sur le corps principal du carquois. Le corps principal est fait d'aluminium extrudé de grade aviation, ce qui lui procure une très grande rigidité. Et maintenant, pour la première fois dans le monde du carquois, vous allez voir un carquois capable de faire une rotation complète de 360 degrés. Cette pièce ici contient 60 encoches. Toutes ces encoches sont situées à tous les 6 degrés, ce qui lui donne une possibilité de réglage de 360 degrés. Le carquois Roloc est réellement dans une classe à part. Aucun autre carquois sur le marché ne s'approche de la Roloc. Le Roloc est le seul carquois qui est doté d'un garde pour protéger les encoches ainsi que les plumes de vos flèches. Avec ce carquois, il est non seulement impossible de perdre des flèches, mais aussi vous avez une protection complète à l'arrière du carquois ainsi que sur les deux côtés du carquois. Aussi, étant donné que les encoches sont retenues dans une cavité, ça fait en sorte que ça les protège de la saleté, des feuilles ou des petites brindilles qui pourraient s'y loger. De plus, ce garde empêche toute possibilité que vos encoches lumineuses frappent un objet quelconque et s'allument par accident. Un carquois sans cette protection, c'est comme se promener dans le bois avec un râteau. Vous risquez d'accrocher vos flèches dans la broussaille en tout temps. En plus, vous risquez de perdre une flèche. À 50$ l'unité, c'est réellement pas agréable. À la différence de tous les autres carquois, vos flèches n'auront pas tendance à vibrer lors d'un tir, car vos flèches sont retenues par les deux bouts avec une petite pression constante. Et puis, pour vous donner une idée de la pression exercée sur le bout des flèches, dites-vous là qu'elle est très similaire à la pression du fameux bâton qui retient le rouleau de papier de toilette. C'est aussi simple que ça, et puis ça fonctionne à merveille. Le carquois à Roloc est très facile à fixer et à enlever. Et malgré cela, la tâche est très solide. J'enlève ici le carquois de cette arbalète Excalibur. Sur le carquois, il y a deux tiges mâles de forme conique. Pour installer votre carquois sur votre arc ou votre arbalète, poussez les deux tiges mâles du carquois dans les deux trous femelles. Ces deux trous sont aussi de forme conique à l'intérieur. Donc, quand les deux pièces se connectent, il n'y a absolument aucun espace au jeu entre les deux parties. C'est pourquoi c'est silencieux et solide. Maintenant, pour tenir le tout ensemble, il suffit de tirer sur le bungee en caoutchouc et de le glisser sur le crochet. C'est très facile à faire, un vrai jeu d'enfant. Vous pouvez voir ici un arc à poulie équipé du carquois Roloc. Vous savez, depuis la création du carquois, soit depuis plus de 60 ans, tout le monde installe leur carquois du côté droit, si vous êtes droitier, et du côté gauche, si vous êtes gaucher.
Le problème avec cette configuration est que tout le poids est situé du même côté de votre arc. Vous pouvez voir ici sur cet arc le kit qui supporte les mines, le catwalk lui-même, ainsi qu'une partie du châssis de l'arc. Toutes ces pièces ou accessoires sont tous situés du même côté de l'arc. Vous voyez, quand vous mirez, tout ce poids fait pencher l'arc vers l'arrière et du côté droit lorsque la flèche quitte l'arc. En plus, pour compenser, vous n'avez pas le choix, vous appliquez une pression contraire sur la poignée de l'arc. Tout ça mis ensemble tue carrément la précision du tir. Maintenant, je vais vous montrer, voyez comment l'arc se comporte quand je déplace l'arrow-lock du côté opposé du kit de mine à l'aide de la braquette ici, qu'on appelle la braquette Zero Tilt. C'est magique. Vous voyez, l'arc est parfaitement stable et parfaitement à 90 degrés avec le sol. Et en bonus, l'arc ne tombe plus vers l'arrière et sans aucune pression de ma main. C'est absolument fantastique. À partir de maintenant, vous pouvez pratiquer et chasser avec votre 4-poids arrow lock en place sur votre arc. Aussi, un autre point intéressant quand vous chassez dans un tree stand, vous voyez ici que le 4-poids n'est plus coincé entre vos cuisses et l'arc, mais plutôt, le 4-poids est situé sur le dessus de l'arc. Vos flèches sont donc beaucoup plus à la main quand vient le temps de sortir une flèche du 4-poids. Tout ça est possible grâce à... la braquette Zero Tilt et le 4-poids Arrow Lock. Merci beaucoup. Ici au Québec, j'ai eu beaucoup de demandes pour un adapteur pour mettre le 4-poids à la table. J'ai donc conçu ce support. Il est livré avec l'adapteur de 4-poids Arrow Lock. Il est construit pour s'adapter à une ceinture de 1 pouce et demi de large. Il peut s'installer du côté gauche ou du côté droit. Et une caractéristique très pratique est qu'il permet au 4-poids de pivoter à 180 degrés. Je vais l'installer à la ceinture. Passe quand vous tentez de vous asseoir, et quelquefois, a tendance à toucher à des objets. Très facile de faire pivoter le quelquefois pour libérer complètement l'espace. Ou encore, quand on doit traverser un paquet de broussailles, on peut pivoter puis mettre notre bras pour protéger le quelquefois pour pas que ça accroche nulle part. Dans ce 4-poids, tout est conçu pour que vous puissiez ajuster la position du 4-poids de manière instantanée. Je l'enlève. De plus, pour les chasseurs qui ne veulent pas laisser leur 4-poids arrow lock sur leur arc ou leur arbalète quand ils chassent à partir d'un tree stand, j'ai un support pour
Accrochez votre carquois au tronc d'arbre. Ce support vient avec le bungee en caoutchouc, mais sans aucune vis. Vous voyez ici sur le support, nous avons deux ouvertures. C'est là que vous allez visser vos propres vis quand viendra le temps d'installer ce support contre l'arbre. Ils seront en vente de manière individuelle ou en paquet de 6 pour le prix de 5 supports individuels. Pour conclure, je vous invite à visiter mon site web drsteerup.com pour en apprendre plus sur toute ma gamme de produits. Merci beaucoup.